Hey, coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo Flosstube de la deuxième période du mois d'août, donc du 16 août au 31 août. Je vous fais la vidéo, nous sommes le 1er septembre. Donc moi j'ai commencé déjà avec une autre toile qui ne fait pas partie d'ici pour ma période du 1er au 15. Et vous allez voir qu'il y a des toiles qui ont bien avancé, d'autres qui n'ont pas beaucoup avancé. Et des toiles se sont ajoutées à la première période, pardon, d'août. Quand je vous fais la vidéo, il les a aux alentours de 17h30, 18h, après avoir sorti les enfants. Refait le repassage, préparer les trousses, préparer le petit sac à Manon. Il reste les douches à faire, mais Manon est partie avec son papa voir si ils n'avaient pas mis la liste avec quelle maîtresse ou maître elle allait se retrouver. Donc là, Lilou est à la douche, Lilou est grande, donc j'y profite un petit peu pour faire ma vidéo Flosstube. Alors, cette deuxième période du mois d'août, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 toiles. 12, j'ai travaillé sur 12 projets. Et vous allez voir que, je vous ai dit, hein, certains ont bien avancé, d'autres n'ont pas avancé. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, comment je vais m'y prendre? Alors. Déjà, je vais faire une petite place. Hop. Il y a des toiles que j'ai commencé. Il y a des toiles où j'ai fait des blabla avec vous et je n'ai pas retouché ensuite. Voilà, c'est vraiment des toiles. On va voir ce que j'ai fait. Alors, pour commencer, j'ai avancé un petit peu ma toile, enfin, que j'avais achetée sur Etsy, mon calais. Kaléidoscope. Je vais vous remontrer l'image. Non, je suis en train de faire des bêtises. Mon kaléidoscope, il est là. Je fais des bêtises encore une fois. Voir l'aperçu. Voilà qui est ceci. Mais moi, je ne fais pas les mêmes couleurs. Je fais du rouge, un peu rosé et du jaune. Là, on voit du violet et du rouge. Voilà. J'avais fini ici, j'avais fait quelques trucs. Enfin, on va voir l'avancée que j'ai fait. Donc voilà l'avancée, voilà le modèle que c'est. Bon, voilà, je l'ai rangé dans une pochette plastique, je ne me suis pas embêtée. Voilà. Et voilà ce que j'ai fait. Bon, je n'ai pas fait grand-chose, mais mes deux cœurs là sont finis. Et ça c'est fait, ça c'est fini. Là, j'ai commencé la deuxième partie là, du cœur. Il faut que je finisse ce cœur-là et il faut que je fasse cette partie-là. Voyez, il faut vraiment que là, j'avance. Donc, écoutez, on va voir ça. Hein, on va voir comment ça va se passer. Donc, je ne sais pas ce que je vais travailler hein, la deuxième, enfin, pour la période du mois de septembre. Je vais voir, je vais faire au gré de mes envies. Hein, je fais la roue quand je veux broder, mais que je ne sais pas quoi broder. Mais en général, maintenant, je sais quoi broder. Donc, et puis, je sais qu'il y a des projets que je veux finir et d'autres, voyez, que si c'est pas fini maintenant, c'est pas méchant. Alors, ensuite, c'est tout ce que j'ai fait par le biais de Pattern Keeper. Donc la tablette, je peux l'arranger. Ah, il va falloir que je la mette à charger. Ça peut attendre demain matin. Ça, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai avancé. Non, j'ai commencé cette toile, ces petits lapins en fil soyeux que j'avais eu avec GBFKE en 11 OCT. Elle fait 50 par 60 cm, soit 170 points sur 215. Et je suis trop, trop contente de ce que j'ai fait, franchement, pour un début. Regardez, je vous laisse découvrir. Voilà ce que j'ai fait. Alors, je vous montre le derrière pour vous parler. Ça vous parle un peu plus. Alors ça, c'est des fils que je laisse, que je vais venir bloquer, en fait, à la longue. Ça va venir se bloquer avec d'autres fils. Voilà ce que j'ai fait. Donc, je la travaille en trois brins. Voilà ce que ça donne.
Donc là, je fais ça. Donc là, je pense que ça, là, je pense que vous allez la voir. Ouais, je pense que vous allez la voir, il n'y a pas de souci. Je voulais faire le lapin dans son entièreté, mais en fait, comme je ne range pas de fil, vous savez, le fil, je le sépare en deux fois trois brins, hein, comme on travaille une 11CT. Et bah, en fait, je range pas le fil. Je fais mes deux fois trois brins. Donc s'il faut que, bah, vous voyez, là, je suis allée ici. J'ai commencé à faire. Non, ici, j'allais dire, j'ai commencé à faire un pied de table, mais non. Vous voyez, je vais finir mes fils. S'il faut que je monte, je monte. Il me semblait que j'étais montée un peu plus haut, mais non. Non. Ah oui, ici, je suis montée. Enfin, vous voyez, je finis mes fils. Hein. Je range pas de fil, je fais. Et puis, même s'il faut que j'aille tout en haut, bah, je vais tout en haut. Voilà, donc là, je finis mes fils. Donc ça, c'est une toile que j'avais eue avec GBF KE. Voilà, donc ça, début de toile. Donc pour un début de toile. Ah, j'ai fait des bêtises! Pour un début de toile, je suis plutôt pas mal. Hop. Hop. Faut que je pense à vous faire des photos pour voir, pour vous montrer où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'en étais, pour voir ce que j'ai fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai avancé un petit peu ma rielle là que j'avais eue avec Fancel de chez Spring en 11CT45 par 55 cm. Et voilà ce que j'ai fait. Bah, j'ai avancé l'ombre. Hein. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y en a. Attendez, je ne vous dise pas de bêtises. 10. Puis vous voyez là, quand j'ai commencé mon fil, et bah hop, je le mets en face. Tac, 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 tac. Alors j'ai laissé mes aiguilles hein, parce que je prends les aiguilles que j'ai dans mes pots. En 11 c'était voilà, j'ai un pot 11, un pot 14, et puis voilà. Voilà ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose, mais en fait, je veux la faire par couleur. Donc, je veux avancer mon noir, le 1, bah, le 2 est fini. Après, je vais faire le 3, ainsi de suite. Je veux l'avancer par couleur. Et bah, c'est vrai que des fois, le noir, ça me semble long. Pourtant, il n'y a pas grand chose, mais c'est vrai que des fois, ça me semble long. Donc, j'arrête, je passe à autre chose. Donc, il n'y a pas grand-chose de fait. Si je vous montre le derrière, ça fait ça. Bon, il y a un petit peu là, parce que c'est un mélange. Il y a un petit peu là. Enfin, vous voyez, on voit bien quand même Ariel dessiné. Donc, voilà pour cette toile. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, pas bah, décidément. Aujourd'hui, je ne veux pas. Mes fils et moi, aujourd'hui, c'est la bataille. Cet après-midi, j'ai pas fait. Oui, j'ai fait que mon repassage. J'ai mal aux bras, j'ai mal aux épaules. Enfin bref. Et puis c'est mon mari qui a géré les de ranger les armoires parce que il a bien vu que j'étais fatiguée. Ensuite, j'ai avancé. Je l'ai pas compté, donc on était à 13-14. Alors, j'ai avancé ma toile. Voilà, je suis montée ici. J'aurais bien aimé finir le vase, mais voilà, c'est ce qui a été fait, c'est bien. Voilà, je vais la continuer. Hein. Ça, c'est une toile que vous allez revoir. Ça rend plutôt pas mal. Moi, j'aime bien le résultat. C'est rapide à faire. Ça reste assez rapide à faire. Mon dos est comme ça. Vous voyez, bah, du blanc sur du blanc, on ne voit pas trop, mais ça fait un dos assez propre quand même. Je suis contente. Donc, ça, c'est une toile que j'avais eue avec Seven Grit. Elle a 18 références, 18 couleurs de perles. Et franchement, c'est top. Même mon mari m'a dit, franchement, le résultat, ça va. Ça va. Donc, on verra une fois le résultat fini. Hein, on verra le résultat fini parce que bah, ici, les tulipes sont dans les tons rose. Ouais, rose rouge, il est là. Vous voyez? On voit bien. Hein. On voit bien si je mets à côté. Alors ça, je la range pas, je la plie pas. Vous voyez, je l'accroche sur cintre. Voilà, vous voyez, on voit bien. Hein, ça représente quand même assez bien. On voit bien les tiges là qu'on a là. On les voit plutôt bien. Donc je pense que bah, les couleurs feront pareil. Bon, après, je vais beaucoup être dans les tons verts et rouge rosé là, mais voilà. Donc ça, c'est une toile que j'avais avec Seven Grit. Donc ça, c'est trop top. Je suis trop contente de ce que j'ai fait pour le moment. Ensuite, j'ai fait un tout petit peu, parce que j'avais des choses à faire, mais que j'avais envie de broder un petit peu. Cette toile, j'ai avancé un petit peu, je l'avais eu avec Vive Cross Stitch, c'est une 14CT 31 par 40 cm. Ouais, ça c'est quand j'ai pas, quand je veux mettre de la couleur, parce que c'est quand même assez coloré.
Il y a quand même 34 couleurs. Non, ouais, c'est ça, 34 couleurs. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un peu le bleu, là. Voilà. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, écoute, aujourd'hui, j'aimerais bien faire au moins une couleur sur ma toile. Il m'a dit, ok, avant qu'on fasse ce qu'on a à faire, il m'a dit, ok. Donc, j'ai fait ça. Ça fait pas grand-chose, hein. Mais vous voyez, ça monte. Et puis, voilà, là, j'ai fait ça. Donc, je la fais comme ci, comme ça. Là, après, je pense que je vais passer à ici pour faire le... C'est un autre bleu, je crois, c'est ça, hein. Ouais, ça fait un violet. Puis je viendrai faire ici. Alors pourquoi peut-être pas peut-être ce soir quand les filles seront couchées. Peut-être pas ce soir. Peut-être pas ce mois-là. Enfin, peut-être pas cette première partie de septembre. On verra. On verra, on verra, on verra. Alors. Ensuite. J'ai commencé. Le petit coussin que j'avais eu par Elisa, donc encore merci. J'ai pas fait grand-chose parce que je veux la faire par couleur. Et je la fais en trois brins. Alors par contre, je me sers du patron un petit peu. Bon, une fois que j'ai repéré, mais je me sers du patron parce que j'ai peur en fait de me tromper. Donc pour être sûre, je me sers du patron. J'ai fait un petit peu de noir. Vous voyez, j'ai même pas fini mon fil. J'ai fait un petit peu de noir. Voilà. Alors ça, par contre, je le fais au calme parce que eh ben, j'avouerai que je galère, mais ce n'est pas marrant si je ne galère pas. Donc ça, c'était déjà coupé comme ça. Moi, je prends là, mais je ne veux pas couper plus. Vous voyez? Donc je fais, je prends mon fil et je tire. Et puis j'arrive à piquer, hein, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il faut que je tienne mon... si je voudrais piquer en bas. Il faut que je tienne le derrière. Vous voyez? Pour venir tout attraper. Mais franchement, ça se fait. Tout en faisant attention, parce que en fait, j'ai pas fait gaffe et j'ai eu le droit de me faire en guirlandais par Manon, parce que ça perd un petit peu des fois, selon. Vous voyez, ça perd un peu. Donc, j'ai eu le droit de me faire en guirlandais par Manon, parce que ça perdait de son rouge, puis que s'il n'y a plus de rouge, et ça va plus être pareil. Donc, je vais tout doucement, voilà, je prends mon temps et. Je fais attention aux petites chenilles rouges autour parce que sinon Manon ne va pas être contente et ça n'aura pas son charme. En plus, elle adore le cœur là parce que dedans il y a de la mousse. Donc elle adore. Donc Vanessa encore. Vanessa. Elisa encore merci. Parce que alors là, j'ai une petite fille qui est aux anges. Et quand je la sors, quand elle voit que j'ai travaillé, tu me dis, c'est tout ce que t'as fait? Ça va? Oui, Manon, c'est tout ce que j'ai fait. Parce que c'est pas toujours évident. Donc, voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait sur le petit cœur. Alors, je voudrais finir ce projet-là avant d'en commencer un autre hein, que Elisa m'a offert. Et je vais tout doucement, mais sûrement. Mais les projets seront faits avec grande joie et avec amour. Donc, voilà. Je vous remonte. C'était la petite femme, la petite mariée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, ça vous l'avez vu récemment. J'ai avancé un petit peu ma fille au gant parce que ça, par contre, j'aimerais la finir pour septembre, fin septembre. Alors, Lucas, il m'a dit que je rêvais, mais j'aimerais bien ne pas rêver en fait. Voilà, j'ai fini ma bande ici. Là, j'ai quasiment fini. Il me reste un peu de fleurs à faire, l'intérieur. Et ici, voilà. Vous savez que je veux la travailler par bande. Donc, hop, hop, hop. Donc, je la prends comme ça. Et hop, ça, je l'avais eu avec New Craft Day. Elle fait 174 points par 174 points. Elle a 34 couleurs. Et c'est une... Tac-tac-tac, 50 par 50 en 11 CT. Non, franchement, j'adore la toile. Donc, celle-ci, j'aimerais la finir pour fin septembre. Si c'est pas fini, c'est pas fini. Vous voyez, je reste pas absolument sur celle-là. Hop. Comment c'était plié? Si j'arrive pas à la replier comme c'était, déjà ça va me poser problème. Non. Bon, ça après mes fils, c'est pas très grave. Voilà. Je me débrouille comme je peux. Voilà, ça je vous ai dit, je l'avais eu avec New Craft Day. Et elle est superbe à faire. Ensuite,
J'ai fait encore un tout petit peu, hein, vraiment un tout petit peu. Ma femme orange que j'avais eue avec, je ne sais plus, mon étiquette est à l'envers. Et je n'ai pas envie de dire de bêtises. Avec Biggest Craft. Et là, vous allez voir que j'ai réellement pas fait grand-chose. Mais petite avancée est une petite avancée est une petite avancée. Alors ça, c'est ma couleur du fond. Et voilà ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai fait un petit peu là, j'ai fait un petit peu là. Enfin, j'essaye de compléter un peu. Voilà. Mais là, c'est pareil, j'essaye de finir tout mon fil. Alors, bah, si je dois monter encore, et bah, je monte encore. Tout en essayant de faire à chaque fois un peu de fond, parce que je n'ai pas envie d'avoir toute la longueur de fond à faire. Vous voyez ? Donc, ouais, franchement, elle est trop top. Elle a 24 couleurs, c'est une 11 OCT et elle fait 50 par 71 cm, soit 170 points sur 263 points, mais c'est un régal à faire. Voilà, c'est bloc. Donc ça, c'est quand j'ai mal à la tête, que j'ai mes douleurs, parce que j'ai toujours mes douleurs, mais des fois, ça va être plus fort. Il y a des jours, ça va être vraiment plus fort. Donc quand j'ai... Parce que malgré tout, je veux faire du point de croix, je veux avancer mes projets. Et que pendant que je fais mon point de croix, eh ben, j'évite de penser à ma douleur. C'est ma petite thérapie à moi, on va dire. Mais bah, quand c'est comme ça, quand les douleurs sont fortes, 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 plus, comme aujourd'hui, bah, je fais des toiles, j'essaie de faire des toiles où il y a du bloc, en fait, tout simplement. Cette nuit, je suis réveillée depuis 4h du matin. Alors déjà, j'ai dormi fenêtre ouverte parce qu'il faisait chaud. Et qu'il y a eu des gens qui font je sais pas quoi, qui viennent discuter la nuit, qui partent en voiture, tu te dis ça y est. En fait, ils viennent squatter le parking, le petit parc, tu te dis ça y est, ils sont enfin partis, ce que t'entends, la voiture partir, et tu les entends plus parler. Et même pas 5 minutes après, tu rentends la voiture, tu entends une voiture arriver, et là, tu les réentends parler. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont été faire? Bref, voilà pour cette toile. Donc depuis 4h30, je suis réveillée avec les douleurs et avec les gens. Ensuite, j'ai avancé encore un petit peu mes mini-héros que j'avais eu avec FG Normal. C'est une 14CT 55 par 16 cm. Mais alors là, vous allez voir que j'ai quasiment rien fait puisque j'ai même pas fini le blanc qu'on voit dans le Avengers. Donc là, j'ai vraiment pas fait grand-chose. C'est vrai que par contre, celle-ci, bah, je... Si je peux l'éviter, on va dire que je l'évite. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Bon, il a pris forme un petit peu, hein. Il ne reste plus grand-chose en blanc. Ce qui est en blanc, c'est ce qu'il y a en vert. Donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Et puis, c'est vrai que celle-ci, j'y vais pas trop. Je pourrais y aller, hein. Mais... je vais vraiment au gré de mes envies. J'ai avancé aussi ma femme au rose, bleu et rose. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Celle-ci, je l'avais eue avec Fancel. C'est une 11CT. Je ne sais plus la taille. Elle fait 125 points par 233. Et voilà ce que j'ai fait. Voilà, j'ai avancé. J'avance tout doucement. Voilà, je vais venir égaliser ma ligne, là, et puis... En fait, je fais mes symboles. Voilà, je fais mes symboles. Je voulais la faire par carré par zone de 9 cases. Mais voilà, j'avance tout doucement, mais sûrement. Je vais au gré de mes envies. Je fais le symbole que j'ai envie. Alors, toujours dans le principe de mes symboles creux en premier. Et on finit par les symboles pleins. Mais voilà, toujours dans cette théorie ici. Donc voilà ce que j'ai fait, elle a 34 couleurs cette toile. Alors cette toile à la base elle était sur, vous savez, les petites cartonnettes qu'on a individuelles là. Je l'ai mise moi sur un organisateur de fil hein, parce que... Alors je vais vous la montrer en mieux, c'est celle-ci. Voilà. Et j'avais déjà fait tout le bas, le contour du visage. Mais là je fais vraiment au gré de mes envies. Je fais au gré de mes envies. Donc là j'ai pu broder que ce matin. Un petit peu parce que comme je suis réveillée depuis 4h30, j'ai fait stitch à la plage en 11 CT 36 par 46 7 grit.
Et j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Alors celle-ci, par contre, vous voyez, je voulais faire mon rose pastel, qui était la couleur 27. On n'y a plus. Et j'avais des petits plus en rouge. Il n'y a plus non plus parce que c'était ici et ici, me semble-t-il. Ou ici. Non, ici et ici. Et là, je suis en train de faire mon rose un peu plus foncé. Voilà. Je suis quand même avancée, je suis contente. Alors moi, je ne vais pas faire période été-hiver, hein, parce que alors là, la période d'été, j'étais... partout et nulle part à la fois. Ça me sert à... Je fais plus de principe comme ça, parce que ça me sert à rien. Enfin, ça me sert à rien. C'est comme je vais au gré de mes envies. Voilà. Si je veux broder de l'été en hiver, ben, je broderai de l'été en hiver. Bon, je ne m'en veux pas. Surtout que ça, c'est des toiles que j'aimerais finir quand même. Voilà. J'ai avancé aussi la tournesol en fil soyeux. Donc en fil soyeux, là j'ai fait, j'ai travaillé deux toiles en fil soyeux. Donc ça, je l'avais eu avec Biggest Craft également. C'est une 11CT que je travaille en 3 brins. Elle fait 65 par 50 cm. Hop. Je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que là c'est pareil. Je ne range pas mes fils tant qu'ils ne sont pas fini. Voilà ce que j'ai fait. Pareil, hein, mes fils qui débordent, c'est pour venir les rebloquer après avec les croix qui vont venir. Et voilà ce qui a été fait. Ouais, j'avance tout doucement, mais j'avance. Mais celle-ci, parce que je faisais le principe de la roue, mais la roue me l'a quand même tirée 3 fois, donc je pouvais que l'avancer. Mais ouais, franchement, je suis contente. Ça avance. Ça avance, ça avance. Donc, petite toile, encore une belle avancée. Alors mes croix, des fois, elles sont pas super. Mais ça, c'est ma toile entraînement, vous voyez. C'est ma toile d'entraînement. Mais forcément que mes croix, au fur et à mesure, sont plus jolies, je trouve. Ensuite, j'ai avancé la flamant rose que j'avais eue avec Flancel. La flamant rose à chaussures. En point compté. Et voilà ce que j'ai fait. Ouais, je l'ai encore avancé un petit peu. Voilà. C'est du 18CT, 20 par 20. Alors 20 par 20, c'est la taille de la toile. Les croix que vous voyez, ce sera à faire en blanc. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, je la travaille par couleur. Donc, j'ai fait, c'est sur cartonnette comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé mon blanc parce que voilà, ça c'est tout le fond. Ça, c'est mes couleurs qui me restent à faire. J'ai piqué un élastique à Lilou pour faire, pour mettre, pour séparer mes couleurs déjà faites. Donc, il me reste... Alors, sachant que dedans, il y a certainement des couleurs que j'avais déjà fait, mais je ne me rappelle pas les symboles que j'ai fait. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 couleurs à faire, sans compter le fond, hein, mais il me reste 10 couleurs à faire, et sachant qu'il y en a certainement qui sont faits, qui sont déjà faites, les couleurs, donc je vais, on va voir ce qu'il me reste à faire, mais je suis plutôt contente de mon avancée, de mon flamant rose à chaussures, même si c'est, même si pour Manon, c'est jamais assez, elle a 30 couleurs, donc ça fait 99 points sur 99 points. Il va me rester 2 toiles. C'est 2 toiles que j'ai fait avec vous en blabla, mais que voilà, j'ai continué mes fils, mais j'ai pas retouché après. Donc, bah non, je vous dis 2 fils, 2 toiles en fil soyeux. Il y en a pas 2, il y en a 3. Il y en a 3. Alors, on a fait un petit peu le tote bag en blabla. Autant vous dire que j'ai galéré pendant la vidéo, j'ai galéré après la vidéo. Donc ça, je l'ai eu avec Fancel. C'est une 11CT, enfin 45 par 45. Et j'ai même pas fini ma zone tellement j'ai galéré. Voilà. J'ai même pas fini leur assise là tellement je galérais. Donc il faut que je trouve une solution pour pouvoir finir mon assise. Après c'est raide, ça va venir s'assouplir petit à petit à force de la travailler. Mais c'est vrai que je voulais finir ça et j'ai même pas fini parce que j'étais en pleine galère. Donc il faut que je trouve une solution, je vais la trouver et ça va se faire tout doucement mais sûrement. Donc... voilà pour cette toile, ce tote bag, ce sac fourre-tout. Moi, j'appelle ça tote bag, mais eux, ils appellent ça le sac fourre-tout. Moi. Après, oui, je peux toujours le tout découdre et puis voilà, le faire comme une toile normale. Mais moi, si je découds tout, c'est...
C'est pas pour après le faire en tote bag. Si je défais tout, c'est pour le laisser ensuite en toile normale. D'autant plus que ce motif-là, en toile normale, ça ne me dit rien de l'avoir vu. Après, je suis en train de réfléchir, hein. C'est peut-être comme ça que ça va se terminer. Hein. Sincèrement, les sacs tote bag, j'en ai pas mal. Après, il y a des tote bags qu'on a en toile simple et il y a des tote bags qu'on n'a pas forcément en toile simple. Donc voilà, rien ne m'empêche de venir transformer ma toile. Hein. Et j'avais fait en vidéo un petit peu les signes en fil soyeux, en 11CT 116 par 38 cm, soit 457 croix par 117, que j'ai eu avec Biggest Craft. Et je ne l'ai pas trop avancé hein, après la vidéo. Pardon. Je ne l'ai pas trop avancé après la vidéo. Voilà ce que j'ai fait. Hop, de toute façon, je la passe même pas entièrement. Voilà ce que j'ai fait. J'ai continué ici mon fil, en fait. J'ai continué l'équivalent de mon fil et j'ai arrêté. Voilà. J'ai arrêté parce que c'est la fin des vacances et puis que j'ai des petites choses à faire aussi. Donc, j'avais arrêté. Donc, cette petite vidéo Flosstube est terminée. Je suis plutôt contente des projets que j'ai pu travailler. Après, je suis plus ou moins contente de mes avancées, mais voilà. Les toiles que vous reverrez sur, ce sera la jeune fille au gant et la flamant rose avec les chaussures, parce que ça, c'est deux toiles que j'aimerais finir. Ensuite, je ne sais pas ce que je ferai. Je ferai voilà, au gré de mes envies. Là, j'ai commencé une autre toile pour commencer cette période la première quinzaine de septembre. Je suis partie sur une autre toile qui était déjà commencée, mais voilà, je suis partie sur une autre toile et voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!